Mercredi 4 avril 2018, bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la carte pour nous capables pour la troisième sortie téléjournal là pour semaine si là. Mais principal point capable pour faire essentiel. Mercredi pour nous faire connaître, hier mardi 3 avril là, marqué 18 l'année assassinat un journaliste et puis PDG Radio Haïti Interlange Jean-Léopold Dominique, gardien et station si là, Jean-Claude Lucin. 18 l'année après association journaliste yo ak famille victime nan continue mandé pour gagner lumière qui fait sous crime si là. Maître Durette Junior, élu mardi 3 avril là comme nouveau représentant juge la Cour d'appel dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Il était en face du juge Cour d'appel au Kaila, Maître Franz Brice. Commission spéciale sous amendement constitution a présenté à mardi 3 avril le rapport travail par le bureau chemin député après série consultations avec tout secteur dans la vie nationale. Là. Ensemble, pour savoir quand pile le table pour faire essentiel journal pour jeudi, mercredi, on a fait vite au rythme. Chez Chenutlan, on a tenu dans quelques secondes pour le développement. Merci parce que toujours été branché télévision nationale à l'Haïti et je viens d'annoncer les différents titres. On a dit bienvenue tout d'abord dans le développement journal là. 3 avril 2018, là, fait 18 l'année depuis journaliste avec PDG de Radio Haïti Interlage Léopold Dominique avec Jean-Claude Lucin, gardien Radio Silla, mouri, assassiné en Babal, bendi examen. 18 l'année après double assassinat, sa famille avec même corporation journaliste toujours demandé justice en suivant papier avec Esaïe Aurelius. Lors de justice, ou utiliser voie de recours, ou faire dilatoire. Mais au moment arrivé, dilatoire là, la fini, parce que pas de voie de recours encore. Et nous presque dans situation ça là à côté, moun ka fait dilatoire depuis 18 ans, yo pas besoin de moyen pour faire dilatoire encore. Donc avant longtemps procès Jean Dominique là, li pral fait dans pays d'Haïti. Et moi t'ai chita avec président République là, moi mandé pour que li capable nommer juge cour de cassation yo, pour permettre que cour de cassation complet pour ka chita sur dossier parce que dossier a bloqué depuis 4 ans dans la cour de cassation. Le président dit moi que déjà parlé avec le Sénat et il y a deux autres membres qui ont été pour être capable de compléter la liste que j'ai mail pour publier membre cour de cassation. Mais j'espère que ça va le faire. L'autre dit non, moi la fête. Et je pense que si ça fait avant ça, ça pris bon du jour. Pour que la cour de cassation soit capable de prendre responsabilité et statuer sous demande en récusation que Milan Liberus fait. Milan Liberus qui est accusé comme moun qui est parmi auteurs intellectuels, double assassinat sous Jean-Dominique avec Jean-Claude Lucin. Et lui-même, il était à l'étranger, il n'a pas paraît pour venir répondre à une question en Haïti. Et nous avons besoin de tout pour l'autorité, pour être à disposition dans le cadre d'entraide judiciaire, dans le cadre de coopération avec Interpol, pour si c'est mené pour mener les sites pour venir répondre à une question, eh bien, Mme Liberus a besoin de venir répondre à une question dans le pays d'Haïti. Donc, nous demandons pour que dossier, enquête sur Oriel Jean, qui mourit dans le cadre, même enquête de Jean-Dominique Lan, pour que vous fassiez lumière sur les tout. Et nous attendons avant longtemps que le cour de cassation décide sur ce dossier ça pour que nous capables d'aller de l'avant. Toujours dans le même dossier, si là, à l'occasion du 18e anniversaire, assassinat directeur général Radio Haïti Interlage Jean-Léopold Dominique, député circonscription Mion Baléa, Abel Descolines, mandé autorité la justice au fait lumière pour bailler justice à quel journaliste là, Jean-Léopold Dominique, bandit à examen, assassiné la date 3 avril 2001. Un extrait amico, Colo Eliezer à Moïse Ulbrich. 18 ans après, que la justice, que l'État d'Haïti li baille justice à Jean-Dominique, mais aussi justice à la corporation des journalistes. 18 ans après assassinat ça, nous gagnons quand même triste constat ça, le constat qui montrait que seul secteur côté gagnant, continuité de l'État en Haïti, c'est dans les crimes d'État, c'est dans les crimes politiques. Nous dit, c'est dans seul crime politique et crime d'État, ça y est, nous avons gagné continuité de l'État, puisque depuis ces 18 ans, gagnant plusieurs gouvernements qui succédaient. Et gouvernement, ça y a d'idéologies différentes. Qu'il s'agisse
de gouvernement qui apparenté de droite ou de gauche, ils toutes passé sous pouvoir. Force est malheureusement de constater le dossier de l'assassinat du journaliste célèbre Jean-Léopold Dominique n'y pas avancé. Donc c'est triste au 21e siècle, pendant que nous dit n'a travail pour la démocratie, pour l'état de droit, pour la liberté de la presse, mais nous constatons que nos gouvernants, pendant ces 18 années, n'ont pas manifesté aucune volonté. Et ceci à tous les niveaux, qu'il s'agisse des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ils ont tout gagné en part de responsabilité dans cette passivité qui fait, à date, Jean-Léopold Dominique n'est pas qu'à joindre justice, qui fait à date pas qu'à gagner un procès. Donc, dans l'occasion 3 avril, ça, nous interpeller encore une fois et pour la énième fois les pouvoirs constitués de l'État, le pouvoir judiciaire notamment, pour que ont décidé, offrir un procès pour permettre à ce que société haïtienne, pour permettre à ce corporation, mais tout le monde qui mourit dans de conditions qui montrent que c'est le crime d'État, c'est le crime politique, pour que gagnent un procès équitable qui fait pour condamner les coupables, mais tout rendre justice avec monde qui méritait justice. Nous avons annoncé au Lina différents titres d'Urindurey Junior, c'est le nouveau représentant juge la Cour d'appel dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ. Juge la Cour d'appel porte-presse maître d'Urindurey Junior a gagné pour ça après victoire à une élection côté l'été gagné en face li juge Cour d'appel au Kaila maître Franz Driss dans date mardi 3 avril là. Junior Bicasseus et Henri Robert Chérité étaient présents dans la Cour cassation et a dit nous plus ça sous 48 juges qui étaient présents dans l'élection pour renouvellement juge coup d'appel dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire, 40 votés mettent Durin-Durin Junior comme nouveau représentant. Juge coup d'appel Port-au-Prince, t'es comme adversaire, juge coup d'appel au Kailan, maître Franz Driss. Je vous ai présenté ma vision de la justice. Vous m'avez voté pour vous représenter au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ipso facto, vous avez acquiescé à cette vision. Vous maintenez le cap avec moi vers l'indépendance du pouvoir judiciaire, tout en maintenant les acquis remportés au prix de lourds sacrifices, le CSPJ. Mille merci pour ce vote. Merci pour cette victoire, c'est la vôtre, savourez-la. Elle nous conduira à renforcer la distribution de la justice en rendant à chacun sa juste part. Élection a déroulé dans toute transparence, selon maître Franz Driss, magistrat félicité commission électorale. Li encourager collègues Bio continuer travail pour bailler l'autre secteur exemple collaboration. Nous réjouissons parce que c'est la première fois en Haïti, je fais une raison de 2 ans. Ok. Et en toute transparence, pas vrai? En toute transparence. Animal, c'est là. On félicite les gens qui ont été pas vrai. Et pas vrai. Nous sommes un bateau, ce bateau a coulé, nous a coulé. Donc nous sommes ensemble, nous sommes arrivés. Selon information qui sortit dans CSPJ, 10 à 17 avril 2018, c'est date qui kembe pour réaliser l'élection pour renouveler juge tribunal première instance et tribunal de paix dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Élection Sayo doit permettre d'installer 3 membres qui manquaient dans CSPJ avant 3 juillet 2018.
Président de la Commission Femmes et Droits Femmes dans la Chambre des députés, Marie Gladys Saint-Jean, annoncé, Marie Gladys lundi, annoncé une série d'activités que la Commission Femmes a réalisées spécialement dans quatre départements qui ont représentants femmes dans le Parlement haïtien. Député qui a réagi dans l'occasion de la Journée nationale des mouvements femmes, fait qu'on ait initiative à rentrer dans cadre dans l'idée pour capable continuer la bataille pour respect droit toute femme à l'intégration dans la société. Si là, on a pas vite au suivant. Extrait. Commission quoi travail parlementaire important pour river construire une autre l'État avec une autre société. Créer bonnes conditions pour femmes et garçons évoluer dans un environnement qui permette tout le monde jouir même opportunité, même chance pour accomplir la vie en tant que citoyenne et citoyen. En d'un pays ça. Commission établi un calendrier pour marquer date qui est plus important dans l'histoire femme dans le pays d'Haïti et dans l'autre pays. Tant coup journée internationale femme 8 mars, journée nationale mouvement femme haïtien 3 avril qui c'est jodi, journée nationale femme rurale 15 octobre, journée internationale contre violence qu'a fait sous femme actifie le 25 novembre et la trier. Dans ce sens, la commission en prévoit organiser une série d'activités pendant tout le mois avril là pour marquer date ça. La commission a pour rencontrer organisation femmes dans le département l'Ouest, dans le département Nord, dans le département et Centre et dans le département Grand-Anse. Nous choisissons quatre départements ça pour dire ces quatre départements ça qui t'est fait chambre députée et chance qui te baille une opportunité à ce que gagne quatre femmes qui présent journée jodia dans le parlement malgré que n'a poné quota 30% pour pipiti femmes dans tout espace côté moun prend décision qui pour engager nation. Nous avons développé tout dans niveau commission dans mois avril là pratique travail avec société civile là. Yon manière pour yon ka alimenter commission sa nan kek proposition loi à tout l'autre dossier qui nan compétence li. Donc c'est justement travail sa yo et que commission condition féminine et équité de genre que moi gen chance présider programmé pour faire pendant tout mois avril là tout pendant nous pas quitter yon date qui important dans l'histoire lutte femme a mené pour qui passer sous silence. Parce que la commission a décidé tout bon vrai année ça pour que li montre secteur femme que chambre députée a li montre secteur femme que quatre graines femmes qui en dedans parlement ça et ben sont les femmes qui justement a ramassé toutes revendications pour permettre que société noire aller de l'avant. Voilà, vous avez suivi l'intervention du député Gladys Saint-Jean lundi, qui est président et qui était à Kéjean, au niveau de chambre députée. Commission spéciale chambre députée a sous amendement constitution présenté par le bureau hier mardi 3 avril là rapport étape après série consultation étape tamen avec tout secteur national là d'après président commission un député directeur Dieu qui t'a présenté une partie étape déjà franchi dans travail dit a continuer avancer pour remettre rapport définitif là en fin l'année 2018 là n'a pas vite suivre un bout d'intervention. Pendant la consultation nationale ça que nous avons fait, nous avons réalisé que nous avons une approche, nous sommes capables de dire, comme souvent dans notre pays, député de Colline me dit ça, nous avons une vision, nous sommes capables de dire, d'une société divisée. Ça veut dire que nous avons un ensemble de monde qui est très attaché à la constitution parce qu'il y a des acquis en termes de décentralisation, respect des droits de l'homme et collectivité, développement régional, donc liberté de la presse, il y a des innovations assez m'dakababdou particulières et spéciales pour la région. Et ils ont estimé que à qui ça a fait que nous t'adoué un petit peu plus prudent avant de parler de révision de réforme d'amendement parce que pour moun ça a un problème là. Son problème culturel, son problème d'hommes et de femmes, son problème de société qui fait que ancien dirigeant nous yo, acteur nous yo, yo te plus quoi dans coquin que pour respecter règle jouette là. Puisqu'en constitution, c'est quand même un contrat social.
De notre côté, gon ensemble de moun qui estimait que la constitution aujourd'hui a li dépassé. Il y a un problème logistique, il y a un problème coût, il y a un problème applicabilité, il y a un problème dans son contenu, il y a un problème au niveau du régime politique, il y a un problème au niveau de la gouvernance administrative qui n'est pas fluide. Il y a un ensemble de problèmes, son série de thèmes bien spécifiques qui demandent correction. Donc, moun sa yo kanpe, ki gen anache, yo di fòk constitution amendée, révisée ou réformée. N'ap gade que dans page de garde là, la version créole sera disponible le 28 avril 2018. Pour qui ça? Nous en contact avec pasteur Pori Jean-Baptiste avec Académie Créole, c'est avec que n'a travaillé sur version créole là. Yo te gen et si contrariété pa yo qui fait que comme constitution anniversaire constitution c'est 29 mars, mais que constitution est rentrée en vigueur le 28 avril un mois plus tard, moi c'est son autre date symbolique côté nous pral remettre version créole document ça ba la presse avec tout le monde qui t'a intéressé puis bien comprendre dans langue pays. Plaidoyer pour le leadership féminin face à la problématique de l'accessibilité des jeunes aux services de la santé et de reproduction. C'est sous thème ça, Oryog, organisation haïtienne marketing social pour santé, organise une conférence débat à mardi 3 avril. Activité ça a été déroulée en présence de diverses représentants associations jeunes, commission nationale pour innovation et insertion pro-socio-professionnels, les géniaux, représentants SOFA, ministère Santé publique et population. Compte rendu, Rachel Zinforak, Jordan Ibozil. Fait population connaît différentes organisations communautaires qui travaillent avec jeunes, brasser l'idée à acteurs concernés sous problème géniaux à faire face dans la question droit à santé sexuelle et puis fait petit. C'est parmi objectif, Chita Parissa, organisation haïtienne de marketing social pour santé au mas, organisé jeudi 3 avril, responsable Massio était quoi l'état bon pour tout acteur qui a évolué dans le domaine non, travaille ensemble, ça qui t'a permis de publier pour tes réponses à divers problèmes géniaux à faire face dans la question droit, à santé sexuelle et puis reproductive. Oui, dans ces débats, oui, faire société à comprendre que, faut que nous intervenions par rapport à géniaux, faut gagner en question de l'éducation sexuelle. En termes de l'école classique à l'université pour que tout le monde soit capable de connaître sa sexualité, pour qu'on soit capable de parler avec eux, pour qu'on ait des produits, des services, des informations de qualité. Et puis on a fait une promotion pour que les jeunes soient capables de connaître qu'il faut gagner un rêve dans la vie. Si tu n'as pas de rêve ou pas un projet de vie, ou pas même sentir une nécessité pour aller à un docteur ou à un promoteur de grâce. Donc d'abord, nous parlons de planification de la vie. Au grand projet, ou qu'on veut vivre demain, alors. Qui mesure pour un jour aujourd'hui pour que le projet soit lui-même atteint ou arrive à l'objectif? Et il y a un nombre qui est capable de constituer un blocage, c'est soit pour un grossesse avant le qu'on a là. Directeur Santé Famille dans le ministère Santé Publique et Population, Dr. Renaud Grandpierre, fait qu'on est ministère à travers service santé jeunes et adolescents pour qu'on ait revendications jeunes dans la question santé et puis répondre à besoin dans le domaine ça. Là, on a parlé de jeunes, les vignes ont planché pour quel que soit le programme. Et là, nous-mêmes, nous avons un programme qui visait à améliorer la santé infantile, la santé maternelle. Et nous pas qu'à faire sans passer par les jeunes qui constituent plateforme que pour mettre, pour faire passer toute tentative de normalisation. Et c'est ça que fait au niveau de direction ça, nous gagnons un service de santé jeunes et adolescents qui gagne pour mission rassembler toutes revendications jeunes et essayer au niveau thématique santé pour nous répondre à besoin sous domaine. Dirigeant Massio expliqué à continuer faire plaidoyer au côté autorité dans l'État. Une manière pour permettre organisation qui travaille avec jeunes joindre accompagnement et puis pour jeunes joindre service qui répond à besoin. Merci à la collaboratrice Rachel Saint-Fort et puis Jordan Ibozil qui t'a présenté nos comptes rendus sur l'autre information dans le journal là sur l'initiative Réseau Organisation Chrétien pour épanouissement et promotion de Timoun, plusieurs écoles de théologie présentée dans Pétionville hier mardi 3 avril. Un livre qui parlait sur comment la Bible ouais, a fait éducation Timoun. Le regard théologique sur les droits de l'enfant, c'est le livre ça qui parlait sur relation qui gagne en théologie, droit à développement timoun dans pays d'Haïti. Gilbo Saint-Sirac, visionnaire Demiro, a expliqué motivation qui des documents si là. Les notes li commence aux États-Unis, noté que li gagne des pépins la dernière
par rapport à sa Bible dit, par rapport à ce que nous croyons, à la foi nous dit, par exemple, on dit déjà, liberté religieuse, par exemple, si nous n'avons pas cap choisir quelle religion. Liberté sexuelle, nous n'avons pas cap que si nous n'avons c'est eux qui décident de faire orientation par eux. Question de autorité parentale, tout ça, c'est de bagaille qui est un pile problème. Nous avons décidé de faire un livre comme ça pour que nous disions que sa Bible a dit par rapport à ça. Nous avons trébuché pendant 3 ans avec trois approches différentes. Une première approche, c'était que nous avons lancé un concours au niveau des étudiants des séminaires de théologie et des facultés de théologie. Concours n'a pas marché. Nous devions seulement un texte. Nous avons lancé un deuxième concours au niveau des professeurs, cette fois-ci, il n'a pas marché non plus. Et troisième élan, nous faisons au niveau de pour l'école SAIO et des personnalités et des organisations écrit position par rapport à ça. Et effectivement, ça a été fait. Après un an, nous arrivons à atterrir dans la deuxième approche. Le livre, ça, il visait soulever conscience chaque pasteur, chaque leader, chaque haïtien, pour que nous fassions bagaille avec nous. Pour ne pas seulement contenter à parler de Timoun, mais pour nous agir en faveur de Timoun. Chaque grand monde qui lit ça, il a quand même une transformation qui a fait bagaille. Et finalement, il a venu un avocat. Pour tout le monde. Même la caille parle. Il n'y a pas un avocat pour tête parle, la caille parle, la défense de tout le monde. Il n'y a pas toléré le monde battre petit lui sans raison. Parce que le monde prend plaisir dans battre tout le monde. Même la caille, il n'y a pas de battre petit lui sans raison. Il garde la Bible, il faut battre tout le monde. Il vient un verset pour prouver que vous le battre lui. Mais en lisant ce livre, vous avez l'autre perspective des choses. Pas une seule façon pour élever tout le monde, il y a plusieurs façons pour élever tout le monde. C'est ça le livre à faire. Il n'est pas là pour faire discussion entre est-ce que ça va ou ça va bon. Non, il a renforcé en invitant nos autres haïtiens à prendre responsabilité nous en main. Parce que le document est là, oui, 2004-89. Mais on peut oublier si il y a une convention relative aux droits de l'enfant. Et qu'on peut le pasteur qui est engagé dans la dynamique là. Mais pendant qu'il est engagé dans la dynamique là, mais il n'y a pas connu qui background théologique qui cache des documents ça. Et en invitant les pasteurs à lire la déclaration ou la convention relative aux droits de l'enfant avec une lunette théologique et biblique, ça renforçait la responsabilité par rapport à mandat biblique qui est au pour tout le journal a pratiquement arrivé dans le bout de ligne, mais rappelle un simple point qui était fait essentiel. Le journal là pour jeudi, mercredi 4 avril 2018. Là. Ayant mardi 3 avril, là, marqué 18 l'année assassinat, journaliste et PDG Radio Haïti Interland, Jean-Léopold Dominique, gardien est associé là, Jean-Claude Luissin, 18 l'année après, association journaliste avec famille continuellement dégain pour gagner lumière qui fait sous crime si là. Maître Durin Duret Junior, élu mardi 3 avril comme nouveau représentant juge la Cour d'appel dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Il était gagné en face du juge Cour d'appel au Kaila Maître Franz Driss. Commission spéciale sur amendement constitution a présenté mardi 3 avril rapport travail libre bureau chambre député après série consultation avec toute secteur était en main dans vie nationale là. Nous sommes contents ensemble avec vous, Mathieu, pour nous être capables de présenter la troisième sortie téléjournal pour ce semaine-là. On a souhaité tout le monde passer une excellente journée de mercredi. Restez branchés la 8, l'information continue.